Europe 1. Et c'est l'heure de l'édito Econikos. Avec Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Alors, après l'échec des négociations entre le patronat et les syndicats sur l'assurance chômage, le gouvernement va reprendre la main. Il va dévoiler cette semaine ses pistes pour faire des économies. Et selon vos informations, Daniel Fortin, ce sont les cadres qui risquent de payer une partie de la note. Oui, en effet, et deux pistes sont sur la table. La première, c'est de raccourcir la durée d'indemnisation pour les cadres les mieux payés. Et la seconde, c'est de plafonner davantage leurs indemnités chômage. Très concrètement, cela veut dire qu'elles seraient ramenées de 7 700 euros, le maximum autorisé aujourd'hui, à 5 775 euros. C'est tout de même 2000 euros de moins. Inutile de vous dire que cette perspective fait déjà hurler la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Mais pourquoi ce sont les cadres qui passent à la caisse? Alors d'abord, il faut rappeler que le gouvernement avait donné une feuille de route précise aux partenaires sociaux. C'était de trouver 1 milliard d'économies par an sur le régime d'assurance chômage. Même s'ils ont échoué, cet objectif reste le même. Et les cadres font évidemment partie de l'équation. Si on plafonne davantage leur indemnité dans les proportions que je viens d'indiquer, ce serait une économie de 137 millions d'euros par an. Alors c'est évidemment une goutte d'eau dans l'océan des dépenses d'allocation chômage qui représente quand même 34 milliards d'euros. Mais nous sommes dans une période où il faut montrer qu'on veut réduire les inégalités et rien de tel que de demander aux cadres les plus aisés de se serrer la ceinture, d'autant que selon les experts, leur employabilité, c'est-à-dire leur capacité à retrouver rapidement un travail, est meilleure que les autres. Donc il faut être exemplaire aussi, mais est-ce que cette mesure a une chance de voir le jour? Alors ce n'est pas encore totalement arbitré, mais oui, sans aucun doute, depuis le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement est à la recherche de mesures symboliques pour faire, entre guillemets, payer les riches ou prétendus tels. Bien sûr, les partenaires sociaux vont protester contre le principe même d'une baisse des allocations, mais Emmanuel Macron aura beau jeu de leur répondre qu'ils n'avaient qu'à se mettre d'accord entre eux pour réformer le système, ce qu'ils n'ont pas su faire.